Au commencement, il n'y avait rien. Ensuite, on a construit des villes. Et on s'est dit, pour acheminer le matériel d'une ville à une autre, ça serait bien d'utiliser cette nouvelle invention qui est le train. Donc il a fallu construire des voies et des gares. On a donc commencé par construire une ligne de chemin de fer pour relier les villes entre elles. Donc une ligne à une seule voie. On y a mis des gares. Donc à droite, on dira que c'est la gare de A. Et à gauche, c'est la gare de B. Alors maintenant qu'on a construit notre ligne de chemin de fer, on va parler du système de cantonnement. Donc le cantonnement, il sert à espacer les trains. Donc le cantonnement, c'est pour éviter le nez à nez, que les trains ils se rentrent dedans, et éviter le rattrapage. Pour pas que le train A rattrape le train B. Donc il faut créer des espaces. Toujours à cause de notre problème d'adhérence, le train ne pourra pas s'arrêter devant la partie de voie qu'il voit. Donc on a divisé la ligne en cantons. Donc là on a représenté un canton. Donc dans un canton, il y a une circulation à la fois par canton. Notre train se trouve en gare A. Alors, dans un poste de cantonnement, on parle de poste de cantonnement quand il y a un garde. Donc, un garde, sa seule affectation, c'est le cantonnement. Dans une gare, il va y avoir un agent circulation qui va manœuvrer des appareils de voie. Qu'on appelle ça un poste de cantonnement, une gare, c'est pas le problème. Donc là, en l'occurrence, on a un train qui est en attente à la gare A et qui doit se rendre. Alors, la première chose importante, c'est les PK, les points kilométriques. Donc là, j'ai placé des points kilométriques et des hectomètres. Donc, la gare B se situe, donc par exemple, au point kilométrique numéro 2 de notre plan. Ensuite, on a des hectomètres. Donc, tous les 100 mètres, une petite borne blanche. Avec un chiffre bleu, marqué en bleu ou en rouge, dessus. Et ensuite un point kilométrique, donc une borne assez grande, qui peut faire 1 mètre jusqu'à 1,50 m dans les endroits où il y a de la neige, avec le point kilométrique marqué en rouge. Donc le premier point, la première chose qu'on a fait quand on a créé les voies uniques, c'est de les kilométrer, de les métrer précisément. De manière à ce que le conducteur, il sache exactement à quel endroit il se trouve sur la ligne. Pour être sûr également que notre conducteur il allait s'arrêter, on a ajouté des pancartes gare avec marqué le nom de la gare et la distance qui le sépare de la gare. C'est pas une obligation. Donc en plus, il lui fallait les points kilométriques. Voilà, comme ça, notre conducteur, il peut ralentir à l'approche de la gare de manière à s'arrêter en gare. Alors, vous allez me dire, oui, mais il n'y a pas que ça qui compte. Le conducteur, il a la connaissance de la ligne et donc il a des points visuels naturels pour se repérer. Oui, c'est vrai. Par exemple, il sait qu'à l'approche de la gare, il va y avoir un ouvrage, un pont. Ou des fois, il y a par exemple une personne qui vient avec un appareil photo ou une caméra pour filmer le train. Et il sait qu'à ce moment-là, ça va être le repère de freinage parce qu'il est plus qu'à 1 km de la gare. Donc notre train, quand il arrive, oula, il sait que c'est le moment de ralentir. Il peut s'approcher doucement et s'arrêter en gare. Mais c'est pas suffisant. Allons faire un tour dehors.
Alors, en plus de ces points kilométriques, notre conducteur, il a ce qui s'appelle une fiche train. Donc, je vous ai préparé un fac-similé d'une fiche train pour notre exemple à nous. Donc, sur la fiche train, on retrouve le numéro du train, par exemple 5051. Donc, c'est bien notre train. Donc, il va partir de la gare de A à 10h50. Il va arriver à la gare de B à 11h12. Voilà. Sur cette fiche train, on va retrouver les vitesses limites, c'est-à-dire les vitesses que le train ne doit pas dépasser et que le conducteur doit contrôler. La fiche train, c'est uniquement un résumé des informations nécessaires à la conduite du train. Et lui, il doit s'assurer, grâce à des documents qui sont ou les renseignements techniques ou les livrets de ligne, que ce soit bien conforme. Après cette vitesse, on a des points kilométriques de la ligne avec les arrêts en gare. Et ensuite, les vitesses de référence, c'est-à-dire les vitesses que le train il doit respecter pour arriver à l'heure à la gare. Par exemple, ici, il va rouler à 105, la vitesse maximum est de 110 km/h. Il roule à 105 jusqu'au PK 170,4. Et ensuite, ME, il se laisse rouler sur l'air. Donc, il se laisse avancer tout seul et il va arriver en gare B à l'heure qui fait ça. Et là, ici, on va retrouver des signes intéressants et très importants. En face de la gare A, on a un petit jalon à damier. Donc normalement rouge et blanc, mais sur les fiches train, il apparaît en noir et blanc. On va retrouver le même en face du nom de la gare B. Ce petit jalon à damier, il signifie au conducteur que c'est une gare d'arrêt générale. Ça lui indique que l'arrêt il est obligatoire dans cette gare. C'est-à-dire que même si le train n'avait pas d'arrêt, il a l'obligation de s'arrêter. Donc ça, c'est encore une deuxième sécurité de la voie unique. Quel que soit le type de cantonnement, ça oblige le train de s'arrêter dans la gare. Et juste avant, on va voir marqué un petit 40. Ce 40, il signifie que le conducteur il doit respecter la vitesse de 40 km/h sur les appareils de voie de la gare ou du poste de cantonnement. Donc on est bien dans un système où il n'y a pas de signalisation, il n'y a pas de TIV d'annonce pour cette limitation de vitesse, pour ces aiguilles à 40, ni de signaux d'arrêt pour dire au conducteur qu'il va s'arrêter. Il n'y a pas d'avertissement, pas de sémaphore, on est en cantonnement téléphonique. Alors, comment ça se passe, le cantonnement téléphonique? Donc là, la gare, nos deux gares, elles sont reliées entre elles par le téléphone. Donc la gare de A est reliée à la gare de B. On a un train qui attend en gare de A pour partir en direction de la gare de B. Le chef de gare ou le garde du poste a placé un signal d'arrêt à main pour être sûr que le train ne parte pas de lui-même, pour que le conducteur respecte bien l'arrêt. Dans la gare de B, nous avons un train qui attend également au départ. Le garde de la gare de B a placé un signal d'arrêt à main devant le train qui attend pour partir en direction de A. Et il a placé un signal d'arrêt à main pour matérialiser l'endroit où le train venant de A devra s'arrêter. Donc notre garde de la gare de B va appeler la gare de A pour lui dire « Je te rends la voie libre ». Donc, le dernier train est déjà passé, c'est lui qui doit dire à la gare de A que le canton est libre. Parce que A, il attend pour envoyer son train. Donc ensuite, notre garde de la gare de A, il va téléphoner à la gare de B et lui dire « Eh ben voilà, je vais t'envoyer le 5051 ». Donc il va lui transmettre une dépêche. Donc la dépêche, c'est un document officiel. En gare, il y a des consignes de gare sur lesquelles ils vont être expliqués comment il doit transmettre la dépêche, quels termes il doit employer. Lui, il possède un carnet de dépêche sur lequel il va y avoir pour chaque dépêche un numéro. Donc il va transmettre une dépêche en lui marquant l'heure, en lui disant « je vais t'expédier le train 5051 ». Et il va lui donner un numéro de dépêche. Et ensuite, le garde de B va collationner cette dépêche. Il va répéter mot pour mot ce que lui a dit le garde. Et ensuite, pour lui, ça correspondra à l'autorisation pour pouvoir expédier son train.
Allô, la Garbée? Ouais, je t'écoute. Je suis prêt à t'expédier le 5051. Tu notes? Allez, dis-moi, je suis prêt. Bon alors, je vais te dire. Gare de A. Expédie le train numéro 5051 5051 en direction de la gare B. Donc on est le 15-10-2017 et il est 10h50. Et je te donne le numéro 56. Là, ok, ben je te répète tout ça. Donc le garde dehors, il a retiré son signal à main d'arrêt et il fait le départ à notre conducteur qui va s'en aller en direction de la gare de B. Sitôt le train parti, notre garde de la gare de A replace son signal d'arrêt à main. Donc soit pour le train suivant qui va arriver, le train suiveur, soit il le placera de l'autre côté sur l'autre voie pour le train croiseur. Donc notre train, il arrive de la gare de A en direction de la gare de B. Dès que notre train est arrivé, notre garde de la gare de B vient s'assurer qu'il ait bien les feux rouges à l'arrière du train. Ce qui signifie que pour lui, le convoi est complet. Le canton entre ces deux gares est libre. Il va pouvoir téléphoner à la gare de A pour lui dire qu'il lui a rendu le canton libre. Donc après avoir rendu le canton libre, il va pouvoir téléphoner de nouveau au garde de la gare de A pour lui demander s'il peut expédier le train de son côté à sa gare à lui. Il va lui transmettre par dépêche, comme quoi il lui donne l'autorisation d'expédier son train, et lui, il va pouvoir de nouveau circuler dans l'autre sens. Donc pour conclure le cantonnement téléphonique, donc on a dit qu'il y avait un contron entre ces deux gares, entre ces deux postes. Pour fluidifier la circulation ou augmenter la distance, eh bien, il suffit de rajouter des postes de cantonnement. Donc là, je rajoute un poste de cantonnement qui servira que au cantonnement. On met un garde à l'intérieur. Et on pourra faire croiser les trains à cet endroit-là et ainsi augmenter le trafic. Voilà. Donc on dispose des postes au fur et à mesure sur la ligne. Bon, voyons voir de plus près ce poste de cantonnement maintenant. Alors voilà un poste donc en voie unique, type de schéma d'une gare ou d'un poste de cantonnement en voie unique, classique, donc avec deux voies. Donc on est toujours en cantonnement téléphonique, c'est-à-dire que je n'ai pas placé de signalisation. Donc on a deux voies, une voie directe et une voie d'évitement. Donc quand la gare est fermée au service du train, quand la gare est fermée, qu'elle ne peut pas assurer le cantonnement, avant de quitter la gare, le garde y place, ou le chef de gare si c'est une gare, ou le garde si c'est un poste, il place ses aiguilles en direction de la voie directe. Ainsi, toutes les circulations qui seront reçues, elles circuleront sur voie directe, comme si ce cantonnement était effacé. Donc le canton s'agrandit. Voilà. Ça, c'est le principe classique de la gare. Dans le cas où la gare, elle est ouverte au service, en règle générale, il reçoit ses trains dans le sens de circulation normale, c'est-à-dire voie de gauche. Le train observe les signaux implantés à gauche et de même pour le train croiseur. Mais ce n'est pas une généralité. Après le cantonnement téléphonique, on a mis en place le système CAPI. Donc le cantonnement assisté par informatique. Donc ça se passe exactement de la même façon, sauf que les dépêches, elles sont préformatées sur un ordinateur. Et si les dépêches, elles ne sont pas passées dans l'ordre correct, le garde du poste ne peut pas ouvrir son signal de sortie.
Alors maintenant, on va parler du bloc manuel en voie unique. Donc on a vu le cantonnement téléphonique, on va voir le cantonnement par bloc manuel. Mais avant de parler de ça, il faut faire, je vais être obligé de faire un petit aparté sur la signalisation pour que tout de suite on sache bien de quoi on parle. Téléphonique, la gare peut très bien être équipée de signaux à demeure, comme ici. Donc, ce sera systématiquement ça, un avertissement ou mécanique ou lumineux et un sémaphore à la sortie de la gare, un signal d'arrêt. Voilà. Donc, la zone doit être équipée pour arrêter et retenir les trains. Alors, je vais essayer de vous expliquer le fonctionnement du bloc manuel en voie unique. Donc, c'est du BMVU. Donc là, notre train est en gare A, il attend pour partir en gare B. Le sémaphore de la gare A est fermé, le train ne peut pas partir, le garde ne peut pas lui donner l'autorisation de départ. On a un avertissement mécanique pour le signal de sortie de la gare B. Donc le signal est fermé. Et ici, le sémaphore de sortie de la gare de B en direction de la voie A. Donc pour que le train puisse partir, il faut que le garde il ouvre son signal. Alors voici le type de bloc. Voilà, donc le bloc il ressemble à ça. Donc il va appuyer sur un bouton test, ici. Et donc, ce bouton test, il va vérifier plusieurs opérations. Premièrement, que le sémaphore de sort de la gare de B en direction de la gare A est bien fermé. C'est-à-dire, c'est le garde de A qui vérifie que B a son sémaphore fermé. Il vérifie également qu'il n'y ait pas de train dans le canton. On va voir comment. Donc, à partir du moment où il a vérifié ses opérations, il va pouvoir ouvrir son sémaphore. Donc, il ouvre son sémaphore. Le chef de gare ou le garde du poste fait l'autorisation de départ et le train peut partir. Donc notre train, il s'en va. Dès qu'il a franchi le sémaphore de la sortie de la gare de A se referme automatiquement. Ça, c'est le premier principe. En bloc manuel de voie unique, il va se refermer tout seul et pour qu'il puisse de nouveau ouvrir ce signal, il va falloir être sûr que le canton soit libéré. Donc, notre train poursuit sa marche. Il prend l'avertissement fermé du signal de sortie de la gare de B. Il ralentit, il arrive en gare et il s'arrête. Quand il va passer en gare, il va passer sur une zone qui va libérer la fermeture du sémaphore de la gare de A. Donc il faut que notre train il passe sur un détecteur de passage pour que de nouveau la gare de A puisse ouvrir ce signal. Alors prenons l'exemple d'un convoi avec un wagon derrière. Donc on répète, notre chef de gare de la gare A, il appuie sur un bouton test, il vérifie que le sémaphore de la gare B est bien fermé, la gare B elle a fermé ses signaux, en vue du croisement, donc il peut ouvrir son signal. Le canton a été libéré du dernier train qui est passé. Notre train part de la gare A jusqu'à la gare B. Et là, en cours de route,
notre train, il perd un wagon. Donc le signal de cantonnement de la gare A, dès son franchissement, il s'est refermé. Et le garde de la gare A passe l'annonce de départ à la gare B. Donc notre train, il continue jusqu'en gare B. Et là, il s'arrête en gare. Comme il roule sur le détecteur, le canton a été libéré. C'est-à-dire qu'à partir de là, notre garde de la gare A peut très bien rouvrir son sémaphore. Alors qu'il reste un wagon dans le convoi. C'est là qu'intervient notre garde de la gare B, du poste B, et qui vérifie les rouges à l'arrière du train. Il s'aperçoit que les rouges n'y sont pas. Il ne délivrera pas l'autorisation à la gare de A d'ouvrir son sémaphore, puisque c'est lui, en appuyant sur un bouton, qui va lui rendre la voie libre. Si lui n'appuie pas sur ce bouton pour lui rendre voie libre, la gare de A, malgré que le canton ait été libéré, il pourra pourrir son sémaphore. Alors voilà une petite situation pour pas qu'il y ait de doute dans les esprits. On est en bloc manuel de double voie. Donc BMU, bloc manuel unifié. Donc c'est pareil que la voie unique, sauf qu'on n'a pas besoin de s'occuper des croisements. Mais il faut savoir que ça existe, donc il ne faut pas associer le bloc manuel à la voie unique. Il y a la voie unique, la double voie, le cantonnement téléphonique, le bloc manuel, c'est un moyen de cantonnement. La voie unique et la double voie, c'est un régime d'exploitation. Mais le cantonnement téléphonique ou le bloc manuel, ils s'utilisent. Donc le BMU, c'est exactement pareil que le BMVU, la voie unique. Sauf qu'on n'a pas à s'occuper des croisements des trains. On gère uniquement l'espacement des trains. C'est tout. Tiens, j'ai déraillé. Voilà un dernier petit point avant qu'on me pose des questions. Quand on a mis en place le système CAPI, en 1995, on a installé ensuite le CAPI avec le DAT. Donc le DAT, j'en parle pas parce que pour l'instant, c'est pas un système de cantonnement, c'est un dispositif d'arrêt automatique des trains, donc un dispositif de sécurité. C'est juste un système d'arrêt automatique des trains. Qui a été associé à la fermeture des signaux, mais il ne gère pas le cantonnement. C'est comme le KVB. Donc quand on parle en double voie de balle, on ne parle pas forcément KVB. Donc voilà, hop, j'ai installé mon DAT. Le DAT, c'est ça, ça y est, il est en place. Donc j'expliquerai ça une autre fois. Et là, le train il est arrêté par le DAT.